Racine 92 était admirable en défense de se permettre le Stade français à Jean Bouin. Au printemps maximal, Cameron Wauki, en entrant dans la 53e minute à la place de Baptiste Chouzenou. Cameron Wauki a retrouvé son niveau international après 2 mois d'absence. Auteur d'une grosse charge plus de 20 mètres sur l'une ses premières balles affectées. La troisième ligne Île-de-France a été principalement mise en place réglage, défensif, pour son équipe. Avec une CLSCR ACK à la 70e minute de 10 mètres de son goal. Cameron Wauki a validé son retour avec le Sky and White Jersey. Sekou Makalou après un tournoi des 6 nations où il était très peu utilisé. La troisième ligne parisienne a fait sa vista et sa vitesse de pointe. A remporté le plus de ballons à la main. Racine 92 se venge sur Jean Bouin. U26A, UFE0F, le résumé plus grand que GNKK3KNBKKKPIC. Twitter C0 Leaked Clip, Rugbyrama 26 mars 2023, Flop Vekoso. Colognati pour sa quatrième réunion dans les couleurs d'Île-de-France. La deuxième ligne de course a trop désir dans son début du match. De la 11e minute, Vekoso Polognati est sorti un carton jaune après un accumulation Romain Briat. 20-quelques minutes plus tard, la deuxième ligne a été publiée le carton rouge direct après une corde à linge Jeremy Ward. Match Nightmare for Polognati qui a laissé ses partenaires à 14 minutes pendant 50 minutes. Harry Glover, l'ailier de Paris, a raté son match pour briser la ligne de course défensive. Nolan Le Garec, la jeune moitié de mêlée, n'a pas installé les vues devant le Stade français. Avec 2 échecs en 4 tentatives, Nolan Le Garec n'a pas pu alourdir la marque pour la course 92. Dans le jeu actuel, le se mêlée d'Île-de-France Alpha là à moitié la mêlée France à moitié ne pas peser trop au-delà. Mesure.